Notre nom de la route bretonne, du côté de Saint-Denis, devant un certain Rodolphe Henry. Le plaisir donc d'avoir à nos côtés tout au long de cette présente manifestation Marc Denet, le coureur originaire du Morbihan, qui est domicilié depuis déjà quelques années du côté de Kerdeska. Ce soir, en 5e, 10e, 15e, 20e au niveau du classement général, il y aura pour la dotation. Dotation Jean-Yves Lancien donc, et ce avec bien entendu notre partenaire du côté de Kerdeska. Le départ qui sera donné par le peloton conduit à belle allure par un certain Nicolas Beillère qui avait été l'un des tout meilleurs sur la fin de saison 99. Je me souviens notamment de sa présence dans la bonne échappée sur le Grand Prix de la ville de l'Est. Par notre coureur du Bontain Dubic, en l'occurrence donc sur le devant de ce peloton, on salue la belle présence d'Olivier Despins qui avait été notamment. Thank you.
tu rigoles pas. Hein. Incontournable du côté de la délice. Notre peloton avec une tentative de débordement à l'actif de notre plestinet de service, Christophe Jaouen, originaire de la localité de Pommières-Guérande. Et en salutant d'arriver, sur le devant de ce peloton, avec à ses côtés, il y a Pascal Denis, notre coureur de Garland. Frédéric Herlédan, grand coureur par le courage et par la taille. Thomas ensuite avec à ses côtés, cette fois-ci les autres représentants de la formation de Plestin les Grèves, je pense à Jaouen, ainsi que les autres coureurs qui ont la bonne promotion, si besoin est, de ton épreuve, avec bien entendu le peloton au sein duquel Laurent Thomas, mais également les autres coureurs de la formation de Plestin les Grèves, travaillent pour bien. Celle de Pierre-Monton, Carmando en deuxième position, Martin en troisième. Alors qu'à Fabrique. En l'occurrence, sur quelle saison? Notre peloton avec Louis Coy, qui se rappelle à notre bon souvenir. Celui qui avait été le vainqueur sur la route de Paris-Brest-Paris, version 95, de la formation de la SPTT de Quimper. Alors que derrière donc, on va tenter le rapproché nécessaire par le biais notamment de Maine, de la formation de l'Évêque à l'évêque Michael Maine, ainsi que Maine donc, qui se retrouve respectivement en troisième et quatrième position. Position, Lionel Maine pour sa part en cinquième. Prochain tour, monsieur, seul arrivé. Quel spectacle! Sur avis des commissaires, passage pour les coureurs du peloton. On est bien d'accord et ce, à l'entente, Cédric Carmardon, on est bien d'accord donc avec ici à l'arrivée victorieuse pour Cédric Carmardon qui est de la deuxième place. Julien Kermonton, un peu le Raymond Poulidor de la formation Destinès. Laurent Martin, troisième. Michael Maire qui sera. Un problème, on a pris en considération. Autant pour nous, apparemment David Prigent qui aurait un tour de retard. Je laisse nos amis de la série en deuxième position. De nous avec la composition. Julien Lamotte, pour le retour des autres coureurs. Nicolas Bayer qui va également terminer. C'est bien Nicolas. Frédéric Boileau qui en fait de même. Alors, le prénom, c'est comment? Très bien, mon ami Cotterelle, je présume. Merci, avec les arrivées, je pense à celle de Carmont-Lévin, à celle autrement de Persony. On salue par ailleurs les autres arrivées, je pense à celle cette fois-ci du peloton, avec Rivalin sur le devant de ce peloton, avec à ses côtés Rouet. Carbonec également qui en termine. Va en faire de même notre coureur de la formation de l'étoile cycliste de Landerneau, arrivé pour défendre. Et on... Le premier junior, voilà donc, dans quelques instants, on se retrouve avec ici les différents lauréats. Pour le premier junior de la journée, en l'occurrence, Julien Lamotte. Alors, on prête donc, en tant que spectateur, remise de la récompense à Cédric Kermorgan, sous l'œil avisé de l'ancien vainqueur du Grand Prix de Plouay, vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie, et cette victoire en toile de fond
en Allemagne, c'est le meilleur souvenir, François? Oui, pour moi, oui. En Allemagne et puis autour de Romandie. Une étape autour de Romandie. Sa classe, un coureur et avoir été, d'une part, professionnel, ancien Tour de France, est un plus. Quand on regarde ensuite le Tour de France, quel est justement le jugement que l'on peut avoir? On se dit, je suis passé par là. Oui, c'est vrai, pour les gens, quand on est même en vacances, on est n'importe où, quand on parle, bon, on parle, je fais du vélo, ah oui, oui. Ah, je cours, même qu'on a fait les Jeux Olympiques, on importe, mais on dit, j'ai fait le Tour de France, c'est vrai, la sacrée. Dernier, le Grand Prix de Rotterdam, et qui depuis a épousé Miss Hollande, qui était justement la Miss de la journée. Remise également de la récompense au premier junior, Julien Lamotte, et le classement au point, avec cette fois-ci les demoiselles d'honneur qui vont s'approcher. Mais c'est bon, hein. Le week-end, elle a trouvé il y a quelqu'un dans la région. Voilà donc, mesdames, messieurs, de nouveaux applaudissements si vous êtes d'accord. Merci pour eux. Avec à leur côté également les responsables techniques de l'organisation, Yves Roland, le président, Jean-Paul Geffroy, le secrétaire. Il est vrai, aujourd'hui, épreuve de très belle tenue, Jean-Paul. Ouais, c'était un très beau plateau qu'on a réussi à avoir ici à Botte-Sorel. Et on a eu une très belle journée. C'est ça qui était le plus important. Quand j'ai vu le temps au début de semaine, je n'osais même pas y penser. Merci. Avec également tout à l'heure l'avis d'Yves Roland. Le temps pour Hervé Onsker, notre correspondante également du Ouest France. Clic-clac. De la route bretonne du côté de Saint-David devant un certain Rodolphe Henry. Le plaisir donc d'avoir à notre côté tout au long de cette présente manifestation Marc Denet, le coureur originaire du Morbihan qui est domicilié depuis déjà quelques années du côté de Kerdescan. Ce soir, en 5e, 10e, 15e, 20e au niveau du classement général, il y aura pour la dotation. Dotation Jean-Yves Lancien donc, et ce avec bien entendu notre partenaire du côté de Guernesquin. Le départ qui sera donné par le peloton conduit à belle allure par un certain Nicolas Beyer qui avait été l'un des tout meilleurs sur la fin de saison 99. Je me souviens notamment de sa présence dans la bonne échappée sur le Grand Prix de la ville de l'Est. Par notre coureur du Bontain Dubic, en l'occurrence donc sur le devant de ce peloton, on salue la belle présence d'Olivier Despin qui avait été notamment.
50. 1 minute 50. Je rigole pas. Hein. Les mecs. Il va bien, il y a 40 coureurs. Incontournable du côté de la délice. Notre peloton avec une tentative de débordement à l'actif de notre plestiné de service, Christophe Jaouen, originaire de la localité de Poder-Guérande. Et on sait autrement d'arriver. Erledan sur le devant de ce peloton. Avec à ses côtés, il y a Pascal Denis, notre coureur de Garland. Frédéric Erledan, grand coureur par le courage et par la taille. Thomas ensuite avec à ses côtés, cette fois-ci les autres représentants de la formation de Plestin-les-Grèves, je pense à Jaouen, ainsi que les autres coureurs qui ont la bonne promotion, si besoin est de ton épreuve, avec bien entendu le peloton au sein duquel Laurent Thomas, mais également les autres coureurs de la formation de Plestin-les-Grèves travaillent pour bien la suite. Celle de Pierre Monton, Carmand en deuxième position, Martin en troisième. Alors qu'à Frédéric... En l'occurrence, sur quelle saison? Notre peloton avec Louis Coy, qui se rappelle à notre bon souvenir. Celui qui avait été le vainqueur sur la route de Paris-Brest-Paris, version 95, de la formation de la SPTT de Quimper. Alors que derrière donc, on va tenter le rapprocher nécessaire par le biais notamment de Maine, de la formation de l'Évoisra, à l'évêque Michael Maine, ainsi que Maine donc, qui se retrouve respectivement en troisième et quatrième position. Quatrième position, Lionel Maine, pour sa part en cinquième. Prochain tour, monsieur, seul arrivé. Quel spectacle! Sur avis des commissaires, passage pour les coureurs du peloton. On est bien d'accord et ce, à l'entente, Cédric Carmardon, on est bien d'accord donc avec ici à l'arrivée victorieuse pour Cédric Carmardon. Qui est de la deuxième place, Julien Kermonton, un peu le Raymond Poulidor de la formation Destinès, Laurent Martin troisième, Michael Maire qui sera. Un problème on a pris en considération. Autant pour nous, apparemment David Prigent qui aurait un tour de retard. Je laisse nos amis qui sont en deuxième position. Nous avec la composition, Julien Lamotte, ce sera le tour des autres coureurs. Nicolas Beyer qui va également terminer. C'est bien Nicolas. Frédéric Boileau qui en fait de même. Alors, le prénom, c'est comment? Très bien, on habite votre oreille, je présume. Merci, avec les arrivées, je pense à celle de Garmand-les-Bains, à celle autrement de Persony. On salue par ailleurs les autres arrivées, je pense à celle cette fois-ci du peloton, avec Rivalin sur le devant de ce peloton, avec à ses côtés Rouet. Carvelec également qui en termine. Va en faire de même notre coureur de la formation de l'étoile cycliste de Landerneau, arrivé pour défendre.
Cinquième, voilà donc, dans quelques instants, on se retrouve avec ici les différents lauréats. Pour le premier junior de la journée, en l'occurrence, Julien Lamotte. Alors, après donc, en tant que spectateur, remise de la récompense à Cédric Kermorgan, sous l'œil avisé de l'ancien vainqueur du Grand Prix de Plouay, vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie, et cette victoire en toile de fond en Allemagne, c'est le meilleur souvenir, François. Oui, pour moi, oui, en Allemagne et puis au Tour de Romandie, une étape au Tour de Romandie. Sa classe, un coureur et avoir été d'une part professionnel, ancien Tour de France, est un plus. Quand on regarde ensuite le Tour de France, quel est justement le jugement que l'on peut avoir? On se dit, je suis passé par là. Oui, c'est vrai, pour les gens, quand on est même en vacances, on est partout, quand on parle, bon, on parle, je fais du vélo, ah oui, oui, ah, je cours, même qu'on a fait les Jeux Olympiques, on importe, mais on dit, j'ai fait le Tour de France, c'est vrai, la sa dernier, le Grand Prix de Rotterdam, et qui depuis a épousé Miss Hollande, qui était justement la Miss de la journée. Remise également de la récompense au premier junior, Julien Lamotte, et le classement au point avec cette fois-ci les demoiselles d'honneur qui vont s'approcher. Mais bon, hein. Le week-end, elle a trouvé il y a quelqu'un dans la région. Voilà donc, mesdames, messieurs, de nouveaux applaudissements si vous êtes d'accord. Merci pour eux. Avec à leur côté également les responsables techniques de l'organisation, Yves Roland le président, Jean-Paul Geffroy le secrétaire. Il est vrai aujourd'hui, épreuve de très belle tenue, Jean-Paul. Ouais, c'était un très beau plateau qu'on a réussi à avoir ici à Botsorel. Et on a eu une très belle journée. C'est ça qui était le plus important quand j'ai vu le temps en début de semaine. Ben, je n'osais même pas y penser. Merci. Avec également tout à l'heure l'avis d'Yves Roland. Le temps pour Hervé Onsker, notre correspondante également du West France. Clic-clac.